Nous avons appris que des esclaves disparaissent d'une plantation. Les propriétaires ont signalé leurs évasions, mais notre réseau n'a pas retrouvé leurs traces. Si tu choisis de t'apprêter en esclave, tu pourras sans doute élucider ce mystère de l'intérieur. Pour t'aider, nous avons installé un vestiaire dans un lieu stratégique. Tu devrais pouvoir le localiser depuis le toit de la cathédrale. Il va y avoir une livraison cette nuit à la plantation. Profites-en. Cache-toi dans un chariot et suis les livreurs jusqu'à leur destination sans te faire repérer. Qui es-tu? Comment as-tu trompé les gardes? On a déjà trop de problèmes ici. On n'a pas besoin de ça. Je suis Aveline, une amie. Des esclaves ont fui cet endroit, mais personne ne les a revus nulle part. Mes contacts craignent le pire. Si tu es une espionne, Aveline, tu ne trouveras pas le moindre coupable ici. Mes frères ont disparu, puis ma tante.
Ce matin, ma plus jeune sœur, Thérèse. Mais ils ne se sont pas enfuis. Ils ont été enlevés. Et puis, Thérèse sait qu'elle ne peut survivre sans nous. Je la retrouverai. Si des gens ont traversé ces champs, ils ont dû laisser des traces. N'aie pas peur, Thérèse. Je suis une amie. Qui t'a fait ça? Ton maître? Non! Son fils! Aidez-moi par pitié! Allez, tiens bon. Je vais t'emmener en lieu sûr. Toi! Tu vas me payer! Garde! Vite! Il y a des rats dans la grange! Il ne te fera plus jamais de mal. Viens, nous devons faire vite. Oh, Aveline, ma fille, se promenant toute seule à l'aube. Où étais-tu? Je suis sortie prendre l'air après le cauchemar. Je ne suis plus une enfant, belle maman. Je vous en prie, ne vous faites pas tant de soucis. Tu sous-estimes les dangers de ce monde. Il n'y a pas que ta sécurité qui soit en jeu, mais aussi ta réputation. Pourquoi es-tu si têtue? Si seulement tu avais... En vérité, Madeleine, j'ai besoin de votre aide. Pour une affaire urgente. De quoi s'agit-il? J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide durant ma promenade. Il s'agissait d'une jeune esclave grièvement blessée. Où se trouve-t-elle? J'enverrai quelqu'un l'aider. Eh bien, elle attend dans un chariot, dehors, dans la rue. Aveline! Ne soyez pas fâchée. Je savais que vous sauriez l'aider. Je ne pouvais pas la laisser mourir ou pire. Ou pire? Elle sera pourchassée sans relâche à cause de ta conduite imprudente. Oh, très bien. Tu ne me laisses pas vraiment le choix, mon enfant. Je veillerai à ce qu'elle soit soignée avec la plus grande discrétion. Oh, merci, Madeleine. En attendant, va lui acheter de nouveaux vêtements en ville. Et presse-toi, nous n'avons pas de temps à perdre.
Aveline, tu es en retard et tu as l'air bien pâle. Je crains que tu ne te reposes pas assez. Oh, papa, je me reposerai quand ma vie sera écoulée. À ce rythme, elle s'écoulera bien vite. J'ai peur que tu ne ressembles trop à ton père pour devenir une vraie dame. Tu es taillée dans la même roche. Ah, j'oubliais, Monsieur Blanc a besoin de ton aide à l'entrepôt. Je crois bien qu'il a du travail à te proposer. Est-ce là tout ce qu'il souhaite te proposer ? À en juger par ses attentions, il finira par demander ta main. Peu m'importe, seul le travail m'intéresse. Philippe ? Oh, doux seigneur. Il semblerait que je me sois trop attardé à cette table. Si vous voulez bien m'excuser. Bonne journée, papa. Ah, bien, il est parti. Écoute-moi, Aveline. J'ai pris soin de tout. Ton ami est en sécurité. Si jamais tu avais d'autres problèmes de femme, n'hésite pas à venir m'en parler.